Eh bien, salut tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo en carrière manager avec le Bayern, les potes. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour un peu de mercato et du coup, on va regarder un petit peu. Déjà, je vais vous dire, mais j'ai avancé jusqu'au match et il y avait beaucoup de temps entre le dernier match et celui-là. Donc j'ai avancé et du coup, j'ai reçu plein de messages. Donc on va les lire ensemble. Parce que je les ai ouverts, j'ai entrouvert, mais j'ai eu plein d'offres de transfert étant donné que bien entendu on est au mercato hivernal. Donc voilà, du coup on va aller ouvrir tout ça. J'ai vu offre de transfert pour Pavard. Ah bon, il y est plus, ça va. Du coup, Gnabry, on a Costa, on a Boateng et on a Lewandowski. Donc comme j'ai pas répondu assez vite, parce que en fait j'ai simulé tout et j'avais pas vu qu'il y avait des messages, l'ordinateur a dû rejeter l'offre tout seul. Et dans tous les cas, je ne voulais pas me séparer de Lewandowski. Par contre, ça c'est dommage. Ça c'est dommage d'avoir avancé. Parce que j'avais des offres à 21 millions et j'aurais très très... Ouais, j'aurais vite accepté pour Boateng. Vu qu'il a 32 ans et au final il part gratuitement et ça c'est vraiment dommage. Ouais, ça c'est vraiment dommage. Ensuite, on a du coup Gnabry et Costa. Donc Costa qui a une offre à 41 millions et Gnabry à 76 millions. Ça pourrait se négocier, mais en fait j'ai pas trop envie de faire du mercato pour ce mercato. Donc je vais voir. Je vais voir. Après, il faudra que je vois. Parce que si jamais je garde mes joueurs, mais que au final je les fais pas tous jouer, etc. Et qu'il y en a qui sont pas très bien parce qu'ils ont pas assez de temps de jeu, c'est un peu bête. Donc, c'est une fierté. Du coup, j'ai besoin de jouer plus souvent. Mon temps de jeu nuit à ma carrière. Je compte sur toi dans les moments importants. Alors du coup aussi au niveau des matchs pour aujourd'hui, je pense qu'on va simuler ces deux matchs là parce qu'ils sont pas très importants. Mercato ouvert et donc là il sera déjà fermé le mercato. Ok, donc il reste déjà plus qu'à peine 2 semaines là de mercato. Donc ce que je propose c'est que dans un premier temps, on s'intéresse quand même un petit peu au mercato là. Et si ça dure longtemps, on avancera jusqu'au match contre Arminia. On le fera. Et ensuite, on avancera jusqu'au. Enfin, on le simulera. Et ensuite, on avancera jusqu'au match contre Mönchengladbach. Et on le jouera. Et ce sera le seul match de l'épisode. Donc, au niveau de la composition, on est bien d'accord que voilà, ça, c'est ma compo titulaire, on va dire. Donc Gnabry, Lewandowski, Sané avec Müller, Tolisso, Kimmich, Pavard à droite, Alaba, Hernandez et Davis et Neuer au goal. Donc là on devrait avoir Boateng qui part, mais ça dérange pas parce que de toute façon là par contre oui c'est non. Là et Tolisso c'est Müller. Voilà. Donc ça c'est mon équipe type, on va dire. Et donc on a Upamecano qui peut jouer en défense centrale. Là on a Costa qui peut jouer à gauche. En vrai ouais je pense que je vais vendre Costa parce qu'on a encore Coman, on a encore Aouar, on a Boadu qui peut jouer devant à la place de Lewy, on a Tolisso, on a beaucoup de joueurs. Même Hernandez qui peut jouer en MDC. Donc je pense que Costa on va le vendre. Et je vais aller m'intéresser à un petit joueur que vous m'avez conseillé. Je suis désolé, je sais plus ton nom. Mais du coup c'est Alan. Donc on va aller s'intéresser à lui parce que vous m'avez dit qu'il pourrait prendre la place de Müller. Parce que Müller c'est comme Lewandowski, il commence à être assez âgé. Et donc faut préparer l'après. L'après Müller et l'après Lewandowski. Donc déjà on va aller accepter du coup l'offre pour Costa. Qu'on va quand même essayer de. On va quand même essayer de négocier. Donc on a une offre à 41 millions. Pourquoi pas essayer de la négocier à 48 millions? Ça ferait quand même quelques millions en plus. On va essayer de pas trop forcer non plus parce que. Ah, après ils ont qui eux? Ils ont Tadic, ok. Ailier c'est. Ouais, en vrai. On va pas demander de joueurs parce que dans tous les cas on n'a pas vraiment besoin. Donc proposer un nouveau montant. Allez, 46 500 000. Soumettre. Il peut pas plus de 42 millions. Ouais, quand même, il va faire un petit effort. 44 millions, 800 000. Putain, ils veulent pas plus. Allez, 43 500 000. Ouais, bah écoutez, hein, s'ils sont pas capables de mettre 1 million de plus, à peine 1 million de plus. Hein, franchement, les mecs, ils peuvent mettre 42 900 000, mais ils peuvent pas mettre 43 500 000. Bon,
Écoutez, c'est pas grave, même pas 1 million de plus, ils peuvent pas. Donc écoutez, Costa, ce que je vais faire, c'est que je vais le mettre sur la liste des transferts. Comme ça, au moins, on aura d'autres offres, peut-être, en l'espace de d'une semaine là. Accueil des joueurs, c'est ici normalement. Accueil équipe, voilà. Et puis comme ça, au moins, s'il part, tant mieux. S'il reste, tant pis, on le gardera de toute façon. Ajout sur la liste des transferts, voilà. Et du coup, nous, on va partir pour voir du coup le petit joueur Alan. Bon, on m'avait dit que c'était un milieu de Naples. Quand je cherche Alan, je trouve pas. Mais c'est peut-être qu'il a été transféré en fait. Donc ouais, voilà. J'ai mis milieu du coup de Naples et on voit qu'il n'y a pas de, il y a pas de joueur malheureusement. Donc ça va être compliqué. Ça va être compliqué. Ouais, je pense que du coup on va partir sur peut-être quelqu'un d'autre. Mais ce sera certainement parce que quand je tape Alan, du coup je tombe certain, c'est certainement lui. Après je sais pas, hein, mais c'est peut-être lui que vous me proposiez. Alan, il a peut-être été transféré à Everton, je sais pas du tout, hein, ça se trouve il est déjà. Enfin il est déjà de Everton. Mais dans tous les cas, ça m'aurait pas intéressé parce qu'il est il a déjà 30 ans en fait. Moi il faut un jeune qui puisse voilà qui puisse exploser. Donc c'est pas grave, écoutez, si jamais c'est pas le bon joueur, reproposez-le moi en commentaire les potes. Et puis dans tous les cas, ce que je vais faire moi c'est que je recruterai un futur MOC au mercato d'été. Parce que là franchement, en vrai c'est pas la priorité. Müller peut encore largement jouer tous les matchs. Donc voilà. Alors, ce qu'on va faire du coup, nous, c'est que on va simuler tout ça. Et je pense que je ferai qu'un match du coup. Parce qu'on a quand même encore 3 matchs à simuler et un match à jouer. Donc, l'épisode va quand même durer un petit peu, je pense. Du coup, voilà, on va pas se prendre la tête et on fera qu'un match. Alors, du coup, on est quand même premier à ex-aequo de points avec le Bayern 04. Donc, j'espère gagner quand même ce match. Attention, et oh super, je me suis porté l'œil. Et donc on perd 1-0 malheureusement contre Augsbourg. C'est pas grave. Je pense qu'on va passer deuxième, voire peut-être troisième. Hop, on va voir ça tout de suite. Et oui, on passe deuxième, mais c'est pas le Bayer 04 qui nous passe devant. Ils ont perdu aussi. C'est Dortmund. Ok, donc. Nous sommes en regret de. Ah, j'avais pas refusé. Bon, bah, dans tous les cas, j'avais pas envie de le vendre, Gnabry. Donc c'est pas grave. Je vais quand même revoir s'il y a des autres offres. Ouais, non. Non, mais de toute façon, je voulais pas le vendre, Gnabry. Donc c'est bon. Et c'est moi qui étais disposé. Ah, je suis dégoûté. Du coup, il part gratuitement, j'aurais bien aimé le vendre. Bon, c'est pas grave. Je pense que vous avez frustré votre règlement. Je tenais à vous dire que je suis prêt à occuper n'importe quel poste pour aller dans le sens du collectif. Ah, c'est un bon message, ça, au moins. Je pense à toi, ne t'inquiète pas. Le problème, c'est que 72, c'est quand même compliqué là, pour le coup. Donc, bon. Au pire, je le ferai jouer au prochain match. Parce que le prochain match, c'est. Non, c'est pas Arminia, je crois. Il y a encore un match avant. Donc, on va voir. Ouais, on va voir. Sinon, je le ferai jouer contre Arminia, quoi, si. Ah, une offre de prêt de transfert pour Costa. De. C'est qui? Hein? Nunez. Alors là, je connais pas du tout. On va négocier. Bah, du coup, on va essayer de négocier à les 44 millions. Allez, c'est parti! Hop! 44 millions. Soumettre l'offre. Bon, ils peuvent pas monter plus. Bon, du coup, on va essayer de proposer ce que demandait la Roma. Bon, écoutez, c'est pas grave, on va accepter. 40 millions, c'est déjà pas mal. Malheureusement, la Roma, j'ai perdu quelques millions. Mais dans tous les cas, c'est pas grave parce qu'en fait, au moins, la Roma, ça aurait pu être un. Bah, un jour, ça aurait pu être une équipe que j'aurais joué en Coupe d'Europe, etc. Ils auraient pu avoir Costa, donc ça aurait été, voilà, ils auraient été plus forts. Mais là, Nines, donc je ne connais absolument pas ce club. Ça doit être un club certainement brésilien. D'ailleurs, ça m'étonne beaucoup qu'ils mettent 40 millions pour le joueur, mais bon. Tant mieux, et au moins, comme ça, je suis pas prêt de les rencontrer en match. Donc au moins, je suis tranquille. Ok, du coup, alors, Costa vendu, parfait. Offre de transfert pour Pavard. Oula, 3. Accepté?
Ah, ça a été rejeté aux négociations, ok. Non, bah non, mais de toute façon, moi je rejette, hein. Pavard, après, là c'est qui jouait, c'est Pavard normalement. Normalement, attendez, je vais voir. Ouais, Davis Pavard. Dans tous les cas, oui, je garde. Je garde Pavard, dans toute façon. Dans les notifications, hop, Pavard. On va rejeter. Toc, mais en tout cas, ouais, c'est il convoitise pas mal. Ouf, par contre, c'est vrai que 59 millions pour un transfert de Pavard qui en vaut 38 millions. C'est pour ça que je pense que. Ou alors, ouais, c'est peut-être pour ça que j'avais accepté. J'avais certainement accepté pour ça le Dortmund parce que voilà, quand même 60 millions pour un joueur qui en vaut 30, c'est quand même vraiment pas mal. Déjà là, l'offre de l'Inter était déjà vraiment pas mal. Hein. Donc. Du coup, on va faire tourner là, on va faire tourner l'effectif contre Stuttgart. Bah c'est parti, on va jouer Tolisso, on va le faire jouer, on va faire jouer du coup Kouassi, gestion d'équipe. Et on va faire jouer Upamecano Kouassi, tiens. Upamecano Kouassi, Tolisso à la place de Kimmich qui va se reposer un peu. Et j'ai envie de faire jouer Boadu un petit peu aussi. Et enfin... Et c'est vrai, il y a Choupo-Moting aussi quand même. Voilà, Coman. On va garder Gnabry. Ouais, on part comme ça. On part comme ça. Hop, de toute façon, Boateng, je le ferai plus jouer vu qu'il part cet été. Et Aouar, on va le laisser. On va le laisser. Comme ça, on part avec une belle petite équipe sur le papier. Donc, simulation rapide. Est-ce que ça va marcher quand même? J'espère pas prendre une défaite. Voilà. Je voulais pas prendre deux défaites d'affilée quand même. On a largement dominé le match. Et victoire du coup logique. Et du coup, on avance jusqu'au match contre Arminia. Je vais refaire tourner un petit peu l'effectif, mais moins. Moi je simule tout ça là. Je simule toutes les tout le mercato. Et puis on se retrouve juste avant le match du coup. Ah non, non, désolé, mais Lewandowski reste. Reste. N'empêche, vous vous rendez compte, un joueur de 32 ans qui vaut encore 144 millions. Enfin, il en vaut 107 millions et ils font des propositions à 144 millions, quoi. C'est quand même un truc de fou alors qu'il a 32 ans, quoi. Et j'ai vu un truc, ouais, c'est ça. De Palois qui part à Leicester pour 6 500 000 alors qu'il est. Il doit être super âgé, Palois, en vrai. Ça m'étonne. Ça m'étonne. Du coup, bureau, ouais, Tolisso, je vais lui répondre quand même. J'apprécie une bonne influence, voilà. Toc. Et du coup, c'est parti pour faire tout ça. Et puis on se retrouve au match. Ah, une offre de transfert pour Tolisso. Et bah l'Inter, ils sont vachement intéressés par nos joueurs. Hein. Pavard, Tolisso. Je sais plus s'il y avait un autre joueur, mais en tout cas, ils sont vachement intéressés par nos joueurs. En vrai, j'hésite à dire oui. Parce qu'on a beaucoup de joueurs quand même. J'ai recruté Aouar, on a Tolisso, on a Goretzka, on a Kimmich. Il y a même Hernandez qui peut jouer dans le milieu. Donc je pense que je vais accepter. C'est une offre raisonnable. Et je vais même aller négocier quand même vite fait. Je vais essayer d'en tirer à peu près 35 millions si je peux. Mais sinon, j'accepterai leur offre. Ça me débarrassera d'un milieu qui est quand même très fort. Mais bon, il y a quand même beaucoup de milieux dans le club. Donc, proposer un nouveau montant, à moins qu'ils aient un échange de joueurs des milieux. Qu'est-ce qu'il y aurait? Caria, Duro Vidal. Ah non, il y aurait que ouais, Eriksen qui m'appellerait, mais il est trop cher. Ouais, non, je pense que. Ah, il y a Gabriel Jesus, ils ont acheté. Ben. Non, on va partir sur un montant. Donc, proposer un nouveau montant 35 millions. Est-ce qu'ils sont d'accord? Ok, pour les 32 500 000, on va proposer 33 500 000. C'est parfait. Ok. Allez, donc nous on avance jusqu'au prochain. Enfin, on avance la fin du mercato du coup et on verra s'il est vendu. Ah, offre de transfert pour Müller. Non, par contre Müller, je vais le garder. Je vais le garder. Puis je pense qu'il finira. Il finira certainement au Bayern, à moins que je le vende cet été pour acheter justement un nouveau 10, un nouveau MOC qui le remplacera parfaitement. Mais pour l'instant, je le garde Müller, il est très très important dans l'effectif. Voilà, fini. Alors du coup, on va voir une dernière fois les notifs. Tolisso vendu, parfait. Date limite des transferts finis. Et Alaba est convoité, ok, par Tottenham.
Contrat de David Alaba approche, ok. La fin du contrat approche et du coup Tottenham il voudrait l'acheter gratuitement. Ça me ferait un peu chier aussi de vendre Alaba, enfin de le vendre gratuitement. Ça me dérangerait pas de le vendre, mais gratuitement ce serait un peu chiant. Donc en vrai, si j'ai des propositions, j'accepterai. Je vais juste voir combien de temps il lui reste là. Allez, je vais l'ajouter sur la liste des transferts au moins. Parce qu'en DC, comme ça, j'aurai Hernandez ou Upamecano. Boateng qui part. On aura Kouassi du coup qui pourra jouer si jamais il y a un problème entre Upamecano et Hernandez. Et je pense faire une recrue cet été, au mercato d'été. Faire une recrue en défense centrale aussi. Ah putain, du coup, ouais, désolé pour le gros mot, mais ouais, du coup, là-bas, il va rejoindre Tottenham à la fin de son contrat et il sera gratuitement. Encore un joueur qu'on perd gratuitement, c'est dommage. Ça, c'est dommage. Et on rejette l'offre pour l'Irlande du Nord aussi. Ah, dommage, dommage. Et bah, Upamecano, de toute façon, c'est exactement ce que j'allais faire. Il va passer à côté d'Hernandez, du coup. Et puis à là-bas, il partira cet été. Voilà. Donc, bah écoutez, du coup, ça sert à rien de faire jouer à là-bas. Et Boateng, on va déjà s'essayer à notre défense. Là, toc. C'est malheureux d'avoir de bons joueurs comme ça, mais ça sert à rien de les prendre. Du coup, on va mettre Aouar à la place de. Ouais, non, j'ai déjà pas fait jouer l'autre fois. Donc, je vais mettre Aouar à la place de Goretzka. Et est-ce que je fais tourner un petit peu? J'ai envie de mettre Sarr à la place de Pavard. Et puis voilà, c'est pas mal. Là, c'est pas mal. On part comme ça du coup. Allez, simulation rapide. Une petite victoire qui ferait du bien encore. Ouh, à chaque fois, c'est quand même ric-rac, hein. À chaque fois, c'est 2-1. Déjà contre Stuttgart, c'était 2-1. Donc ça prouve que quand on simule, c'est quand même assez compliqué des fois. J'ai besoin de jouer plus souvent Goretzka. Ah bah c'est parce que tu as toujours ta place dans l'équipe, ne t'inquiète pas. Hein. En vrai, il joue pas mal quand même Goretzka, je trouve moi. Allez, ça y est, après ce mercato bien agité mine de rien, on va se faire quand même un petit match les potes. Donc contre le Borussia Mönchengladbach, très bien prononcé j'imagine. Du coup, alors, donc Sané, Lewandowski, Gnabry, Müller, Goretzka, Kimmich, Pavard, Alaba, Hernandez, Davis. Je vais juste du coup mettre Alaba sur le banc et on va mettre Upamecano et là Boateng. Je vais mettre Kouassi, je vais le faire jouer de plus en plus Kouassi. En fait Martinez, je suis un peu dégoûté de pas pouvoir le faire jouer mais je joue pas avec des MDC en fait. Je joue quasiment pas avec des MDC. C'est plutôt un MOC et deux MC. Mais j'espère que je pourrai le refaire jouer quand même de temps en temps Martinez parce que bah voilà c'est quand même un bon petit joueur. Et si je le fais pas jouer, autant le vendre. Donc voilà, c'était juste la petite parenthèse. Nous, on va partir tout de suite. Donc, au Borussia Park, le 13 février 2021. L'arbitre sera Yannick Zöckler en légende 4 minutes. Et le temps sera clair à 15h30. Allez, c'est parti les potes pour ce match. Ben, quand même important. On doit toujours être sur le podium, ça c'est sûr. Minimum deuxième vu qu'on était deuxième et normalement bah je vois pas comment on aurait pu descendre avec deux victoires mais voilà toujours important de gagner des points en plus pour contre le Mönchengladbach qui n'est vraiment pas mauvais et là je parle et du coup je suis pas très concentré donc ça se voit et du coup voilà donc on va essayer de gagner tout simplement et puis bah ce serait important quoi. Ouh là là. Et du coup à parler j'étais pas concentré donc ils ont vite pu se créer une occasion là donc je vais essayer de réagir. C'est bon, sans danger. Allez maintenant on va remettre un peu le pied sur le ballon et on va poser notre jeu. Oh dommage. Elle partait pas mal cette frappe là mais contrée par un défenseur, dommage. Oh, est-ce qu'il y a hors-jeu? Non! Parfait ça! Quelle passe encore de Müller! Elle est magnifique cette.
Ah non, c'est pas Müller, c'est Müller qui finit la passe, je sais pas c'est de qui. Je sais pas du tout c'est de qui, j'ai pas vu. C'est peut-être Goretzka, je crois. Peut-être, hein. La séquence avec d'abord ce centre. Ah non, c'est Ça va Lewandowski. être pas C'est forcément Lewandowski. évident, mais ça Elle est va être magnifique cette bien dans passe. l'atteinte. C'est bien vu. Et puis la Et le poteau finition, elle est tout rentrant, aussi c'est belle. bien notre angle cette fois-ci. Poteau rentrant, parfait les gars. C'est Allez, on l'action prend du but l'avantage pour dans le ce match, Barça. 23e minute. Maintenant, faut continuer et essayer de faire le break. À se découvrir un petit peu plus. Pour l'instant, le... Ouais, ballon Dommage, rond. dommage, je Il l'ai a tenté. tenté. J'ai tenté la petite frappe là, mais bon, c'était vraiment trop trop prévisible. Oui, il y avait un espace, il l'a vu. Attention, et le 2-0 de Lewandowski cette fois-ci, les gars. Parfait. C'est vraiment parfait ça. On a beaucoup de réalisme hein, quand même. Parce qu'on doit être sur Encore trop 3 ou 4 d'espace, frappes mais bon, c'est max pour question avec de deux temps, buts. on va s'appliquer, Eux, mais ils ont eu quand même là, pas mal de frappes aussi, sur les temps comme mais ça, pas assez de réalisme. c'est pas mal. Et donc voilà, on fait le break. Maintenant, faut tenir et puis si possible encore remettre des buts. Hein. Oh, Attention, le bel ballon arrêt là. rond. Merci Neuer. Le ballon qui sort Il en touche force, arrière, attention, touche il arrière. pousse et il faut faire gaffe qu'il ne Justement, mette pas un attention, parce qu'après on sera on va vachement essayer d'assurer découvert. la À défense. 2-1, on serait vraiment découvert. Un corner qui va arriver en plein milieu de la Et ben surface. voilà, exactement ce que j'étais en train de dire. Et oui, ça finit sur le Bon, par poteau. contre, c'est un but un peu Exactement. chanceux, on va dire, hein. Mais bon, c'est pas grave C'est alors. donc Je le une revois un belle petit peu au occasion ralenti pour ce celui-là. corner que Parce que c'est l'on une reprend en ce tête. moment. Et Ouais, c'est un centre qui part bien, c'est mais qui physiquement tombe pas bien au vraiment poteau. pas trop possible de faire ça, mais en vrai c'est pareil là. Vous voyez Kimmich, Une erreur de il touche, a le corps peut-être même devant plutôt et malvenue il cette bouge frappe. son corps pour mettre sa tête en fait. Et Il était déjà un peu le bot est content. vraiment il s'est mal fait en fait parce que s'il laissait son corps, la balle passait pas en fait. Mais il retire son corps pour essayer de mettre la tête, c'est un peu bête. Allez, c'est pas grave, on gagne toujours quand même. Donc maintenant, je Le vais essayer carton de jaune. garder le pied sur le ballon et construire tranquillement. Et encore Etska. Attention. Et oui, super les gars. Le Toujours le même. petit Ah non, c'est... poteau. Ah, putain, je les confonds à chaque fois. Je croyais que c'était Lewandowski. Mais bon, encore Müller hein, quand même. Deux buts en un match. Bon retour du tiki-taka. C'est Ça vraiment fait pas mal. plaisir Hein. de revoir des En actions plus, comme c'est ça. Ça va un peu un plus petit tard but dans le assez beau, match. je trouve, en Mais c'est quand construction. même un grand coup. Un buteur qui a Allez, je vais marqué faire un remplacer un but peu quand même Upamecano qui a l'air dans un fatigué. match avec le gardien. On va Oh, voir attention là. sur Weserstadion. Attention pour relancer le match. Ouf! Sont en train de revenir dans la partie. Plus qu'un C'est un but, match ce très sera très serré, suffisant. les gars. Hein. Ah là, il partait tout seul. Je me Attention suis au dit, il ballon va peut-être rond. Il frapper. aura Et il m'a forcément bien peur. mis dans le En vent. réalité, non, il pouvait pas Et faire il mieux. repart dans l'axe, frappant une Allez, touche. 3 buts au bout. 2-1, les gars. Heureusement que j'ai mis le troisième but. Bon, bah écoutez, je vais refaire comme à 2-1. Hein. J'ai dit 2-1, non, 3-1, 3-2, oh là là, 3-2 les gars. Du coup, je vais refaire comme à 2-1, je vais essayer de remettre le pied sur le ballon tranquillement et essayer d'aller chercher le quatrième. Pour l'instant dans ce Lewandowski, on va s'aller. Ouais, Ah, ballon je l'ai rentré tenté, par mais là, Lewandowski. quand même, Sommer, ça reste un très bon gardien. Bon, par contre, là, il nous a Et fait une là, ça va relance être horrible. le Tant pelouse mieux pour s'écroule moi, hein. parce qu'il a un rôle à jouer dans cette rencontre. 2 minutes, ce sera le temps Ah, additionnel. je sais pas Allez, si leur Sommer jeu. file vers le but. Je crois pas, hein. Oh, le but! Encore un but. Kimmich cette fois-ci, les gars. Bon, là, normalement, ça devrait être le but de la victoire. Sans trop mouiller. Parce que, bah voilà, 92e minute. Et ce but et cette C'est passe la en dernière profondeur qui minute, va être là. Et décisive pour le belle but. petite passe en Attention, profondeur. Reus C'est qui qui fait récupère cette la passe? balle. C'est Il Müller, récupère encore, hein, je une crois. belle frappe de C'est Sommer Müller, qui ouais. arrive au poteau. Deux buts, une passe D. Magnifique, Reus Müller, qui bravo. est devant. On a vraiment droit à Et une ça devrait être superbe la victoire du coup. passe. Exact. C'est bon. Sommer qui met la Très tête belle devant. victoire du coup. Avec des buts. 4 à 2. Et on repart avec Bah une voilà. petite marge. On aura fait deux matchs en un du coup, on va dire. Hein. Non, en vrai, c'est vraiment pas mal au moins comme ça. Même s'il n'y a eu qu'un match, il y aurait eu beaucoup de buts. Beaucoup de choses à voir. Donc au moins ça fait vraiment du plaisir. 7 tirs, 5 cadrés ou 7 tirs, 6 cadrés quand même. Hein. Allez, on va faire l'interview d'après-match, puis on va s'arrêter là-dessus, les potes.
Alors, super performance de Müller, quel est votre sentiment? Match impressionnant de la part de Müller, une bonne performance globale. Ouais, globale, même si Müller a été vraiment bon, c'est global. Qu'est-ce qui a changé depuis la dernière fois? On était mieux préparé. C'est dur de nous battre deux fois. Oh, non, on était mieux préparé, tout simplement. Et ensuite, vous n'avez jamais douté. On était préparé au pire, j'ai jamais douté. On va être Ah, qu'est-ce serein. que je fais? Voilà, on a confiance en nous. Du coup, les gars, prochain épisode, on se retrouvera du coup pour de la Ligue des Champions, 8ème de finale aller contre Rennes. Et juste après, on enchaînera sur un deuxième gros match contre Dortmund. Donc voilà, là, on va enchaîner deux beaux matchs, Ligue des Champions et ensuite Dortmund. Donc, va falloir se préparer. Très gros épisode du coup pour le prochain et ensuite on s'avancera vers le Werder Brême mais on le jouera pas et puis voilà du coup j'espère que cet épisode vous a plu les potes on aura fait quelques petites ventes et n'hésitez pas à me redire je suis désolé mais des MOC pour l'après Müller ça m'intéresse et comme ça on ira voir tout ça au mercato d'été et puis voilà moi je vous dis à la prochaine j'espère que cet épisode vous a plu si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu à vous abonner à commenter du coup et n'hésitez pas à aller me suivre sur Twitch les potes c'est Jouarek comme ma chaîne YouTube je vais y faire des lives de plus en plus régulièrement du coup voilà ça serait avec grand plaisir que je vous retrouve sur Twitch et puis du coup moi je vous dis à la prochaine salut tout le monde.